Yo tengo tu... Présentement, je pense que j'ai gardé un bon contrôle sur mes émotions, sur ma façon de jouer. Elle a pas été, ça, j'ai pas eu une façon de jouer extravagante, dans le sens que j'ai pas fait de coup d'éclat cette fois-ci. Ça, c'est mon petit bémol, je trouve ça un petit peu plat. Mais d'un autre côté, j'ai toujours resté au même standing. C'est-à-dire que j'ai pas eu de grandes variations. T'sais, j'ai pas eu des gros up and down. Puis j'ai pas. En tout cas, moi, de ma perception, stratégiquement, j'ai pas dévié de ma course. Je pense que ça, c'est important. Est-ce que ça va me permettre de gagner à la fin? C'est la question que je me pose actuellement. Est-ce que ça va me permettre de survivre ce balatage-ci? C'est la question que je me pose en ce moment. C'est niaiseux, hein? Puis je vous reviens avec ça semaine après semaine, mais peut-être que vous le savez. Vous, de l'extérieur, vous voyez, est-ce que Seb est super haut, il est super bas, il est-tu dans la moyenne? Y a-t-il des favoris plus favoris que Seb? Est-ce que Seb est en danger cette semaine? Moi, je ne sais pas. Donc, c'est sûr que de cet angle-là, de l'intérieur, je fais comme, j'analyse toujours mon jeu, puis je fais comme, bon, t'as-tu fait des coups d'éclat? Est-ce que tu peux être fier de quelque chose? C'est certain que je suis fier de l'alliance que j'ai montée. T'sais, c'est sûr qu'au début, j'essayais de regrouper les joueurs forts. Finalement, ça a fonctionné. Mais est-ce que c'est un accomplissement en soi? J'espère que oui. Est-ce que je suis super fort à cause de ça? Je ne sais pas. C'est certain que j'ai tenu tête à Mathieu Baron. Certains pensaient que je n'étais pas capable. J'ai tenu tête au début. Mais c'est sûr que stratégiquement, et puis, des fois j'analyse ça. Moi, dans ma tête, moi je joue encore pour moi-même. Oui, j'ai une équipe, oui, j'ai des gens avec qui je m'entends mieux, oui, je veux les amener à la fin. Mais stratégiquement, ça ne me dérangerait pas de d'aller en compte de ça si vraiment j'y voyais un intérêt, si vraiment j'y gagnais quelque chose au change. Actuellement, il n'y a aucune situation qui s'est prêtée pour le fait que je pensais gagner de quoi, ou que je pouvais utiliser ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, ou des trucs du genre. Fait que je suis au stade de faire comme, bon, ben je continue dans la même veine. C'est une méthode qui a l'air de fonctionner. Tu sais, à l'extérieur, je sais pas, c'est peut-être David qui est au top, puis après ça, moi, je suis comme en bas de mon alliance, puis on est genre entre la troisième et la septième position, mettons. Fait que ça, c'est sûr que c'est mon questionnement tous les jours. Fait que là, c'est sûr que demain, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'avoue que de toute la story 4 et de toute la story 6, j'ai jamais été sauvé en premier. Jamais. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui s'est fait sauver. Fait que c'est sûr que, écoute, soyons francs, j'aimerais ça être sauvé en premier demain. Si j'ai à être sauvé, je sais pas, je serais peut-être pour. Mais c'est certain que, du fond du cœur, j'aimerais ça qu'au moins une fois je me fasse sauver en premier. D'ailleurs, pour le balotage, je m'excuse encore. Je sais que je vous fais débourser de l'argent. En tout cas, pour les gens qui me supportent. Chaque fois, je m'en veux un petit peu. Ça a l'air redondant de vous le dire, mais je préfère vous le dire parce que c'est vraiment ce que je pense. J'espère... j'espère que vous n'aurez pas investi, si vous en avez investi, que vous n'aurez pas investi de l'argent pour rien sur moi puis que je vais rester. Si malheureusement j'ai à partir, ben j'ai à partir. C'est bon. On se comptera pas d'histoire, on commencera pas à faire comme ah, oh, mais non, finalement. Mais, si j'ai à partir, j'ai à partir. Puis, mais je suis bien, je suis déterminé à me rendre en finale puis à vous faire honneur. En tout cas, je le souhaite. J'y pense à tous les soirs. J'essaie de visualiser un petit peu ce moment-là d'arriver sur le plateau. Une petite danse aussi, peut-être, là, sur le plateau en arrivant. Je sais pas, faire des niaiseries. Faire un petit clin d'œil à Louise Deschâtelet. Ça, je voudrais dire ça pour la dernière semaine, peut-être. Un autre petit clin d'œil pour Louise. Si je suis encore là. Sinon, ben.
tout bas. Là, demain, on est tout au bas de la terre à cause de Sini qui a fait en sorte que on n'a pas une illimité, Arcadio, dans le cas d'Arcadio, puis ni le voyage. Stratégiquement, c'est certain que si David, Hugues ou Arcadio part, stratégiquement, dans ma conception du jeu, je vais me sentir plus à l'aise. Je vais me sentir un petit peu mieux stratégiquement. Socialement, c'est sûr que je préfère que quelqu'un comme Signo ou Alexandra se fasse éliminer. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est des gens tellement qui racontent n'importe quoi, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Tu sais, dire des bêtises pour dire des bêtises, puis pas bêtises dans le sens chialer, mais plus dans le sens de dire des niaiseries. N'importe qui est capable de faire ça. T'apprends pas un doctorat, t'apprends pas un bac ou une maîtrise. N'importe qui est capable de faire ça, puis c'est juste c'est ça qu'ils font. Des fois, les commentaires sont tellement... Tu te demandes sincèrement, est-ce que vraiment cette personne-là a dit ça? Est-ce que vraiment elle a fait ça? Là, c'est un peu comme il regardait, tu sais, shaker les œufs, puis Signe avait pris les œufs, puis elle les avait brassés comme ça. Bon, tu peux. Il y a des gens qui sont moins rapides sur certains trucs, puis que malheureusement, ils font une niaiserie une fois de temps en temps. C'est correct, ça. Mais tout le temps. À un moment donné, là, ça devient étrange. Ça devient comme. Il y a quoi qui cloche en arrière de ça? La tête n'est pas toute là. Je sais que peut-être elle est vue comme « Ah, ben mon Dieu, c'est drôle ce qu'elle fait, puis on rit d'elle. » Tu sais, à un moment donné, ça s'épuise, ça. Là. Et quand t'as juste ça à offrir, t'as pas grand-chose à offrir, à moi, à mon avis. Peut-être que pour vous autres, c'est amplement suffisant. Je reviens 2 secondes.